Saint-Gobain en 2013 est présent à Batimat. On va vous présenter 90 solutions innovantes à travers ces 22 sociétés du groupe Saint-Gobain. Et on va essayer de faire en sorte que chacune des sociétés puisse présenter ses produits via le numérique. Sur une surface de 500 m² dont une mezzanine, vous avez plusieurs espaces qui sont dédiés au confort. Le visuel, le thermique, l'acoustique, le sanitaire et la modularité. Mais avant de rentrer dans les conforts, on va rentrer dans le stand avec une présentation des maquettes centrales qui va bien resituer nos marchés, c'est-à-dire le marché du résidentiel collectif, le marché du résidentiel individuel et le marché du tertiaire. En fait, l'innovation est au centre de l'intérêt de Saint-Gobain, c'est aussi au centre de ce stand à Batimat. Les défis énergétiques sont tels qu'il faut amener aujourd'hui des solutions meilleures, plus accessibles, plus sûres et surtout plus rapidement sur le marché. Sur le monde des conforts, nous avons imaginé 5 espaces. À chaque espace, on a dédié un film pour bien expliquer où sont placées nos innovations et où chaque innovation est représentée par une société. L'espace formation derrière moi, c'est l'espace où on explique à chaque client que l'on a toutes les capacités de Saint-Gobain à faire de la formation un avantage pour lui et notamment l'aider à avoir la mention RGE, qui est la mention qu'il lui faudra pour 2014. Pour optimiser Batimat, nous avons finalement opté pour une visite de Domolab complémentaire. Pour ceux qui souhaitent, nous les emmenons à Domolab en partant de Batimat pour leur faire visiter notre centre innovation et nous les ramenons ensuite à Batimat. Donc l'innovation, c'est avant tout un lien entre la recherche, le marketing, l'industrie et bien évidemment la commercialisation. Cet ensemble de partenaires qui permet de faire en sorte qu'une idée se retrouve sous forme de produit sur le marché demain est avant tout un effort collectif de l'ensemble des acteurs du monde industriel. Je trouve que ce stand il est superbe, ce côté assez épuré mais bien axé sur nos conforts et avec à la fois la modernité de tout ce qui est numérique. Je trouve que c'est bien en ligne avec la stratégie de Saint-Gobain. Bravo à tous.